Et salut les loups et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Donc aujourd'hui je vous présente un nouveau deck qui s'appelle Altar Attention. Donc oui, toujours les noms un peu chelous, un peu rigolos, un peu fun. Donc du coup voilà, pourquoi Altar Attention? Parce qu'en fait, j'essaie de combiner pas mal d'Altaria différents. J'aurais voulu en mettre plus, mais comme vous le savez, on est limité à 4 cartes. Donc bon, j'ai beau avoir 4 Tiltons, je peux pas avoir 250 Altaria différents. Alors je vous présente ça tout de suite. Donc déjà, on utilise le nouveau Altaria X, qui a donc 260 PV, et le talent Soin Fredonnant, qui soigne de 20 dégâts tous nos Pokémon. Donc je vous le dis tout de suite, hein, le deck que je joue n'est pas du tout un deck compétitif. C'est plus un deck fun que j'essaie de rendre correct. Voilà, donc 140 pour 2 énergies et on évite tous les effets d'attaque provenant des attaques adverses en fait. Donc c'est très très faible, hein, 140 c'est vraiment, c'est pas fort du tout. Donc voilà, faut pas espérer détruire des decks entiers avec ça. Néanmoins c'est rigolo. Ensuite on a le Altaria qui a Chant en temps, qui permet de prendre un supporter une fois pendant notre tour et de la placer au-dessus de notre deck, donc au tour d'après on est sûr de l'avoir supporter, c'est un peu du soutien celui-ci. Il a 0 de retraite aussi donc il pivote. Ensuite on a le Altaria que j'adore avec Écho Magique, hein, vous le connaissez, il déplace tous les marqueurs de dégâts de l'un de nos Pokémon de banc vers le Pokémon actif. Donc l'intérêt c'est de tanker avec Altaria X puis de le soigner avec Écho Magique. Donc du coup finalement vous voyez le talent s'en servira presque pas. Hein. C'est littéralement un truc qui même nous bloque dans notre stratégie. Enfin c'est n'importe quoi ce deck. De toute façon Altaria X n'est pas prévu pour faire un deck tout seul normalement, clairement c'est plus un Pokémon de soutien. Mais bon, je me suis dit ça peut être rigolo. Donc j'ai mis un petit peu des conneries dedans. Donc on a l'attrape riposte, Hyper Ball, Niveau Ball x4 parce qu'on peut choper quasiment tout avec. Deux Quenchia, deux Studio. Alors Studio, vous en souvenez peut-être, mais regardez, il augmente de 10 les dégâts infligés par les Pokémon de niveau 1. Et donc, ça permet un petit peu de booster notre Altaria, il passerait à 150. Ensuite, on a Machine, Recherche Professorale classique, Paper pour récupérer des outils, vu qu'on joue, beaucoup d'outils, hein, mine de rien. On joue 5 outils dans le deck, donc un Multi-Exp, un Banc d'Origine qui protège les Pokémon de niveau 1 de 30. Donc, on réduit de 30 dégâts quand même les attaques. Donc on a virtuellement 290 PV avec notre Altaria X. Au niveau du manteau de défi, j'en ai mis 3, parce que quand on a moins de récompenses que l'adversaire, on inflige 30 dégâts de plus. Et donc, si Altaria inflige 170, x2, ça fait 340, ce qui veut dire qu'on peut two-shot quasiment tous les ex avec. Voilà, c'est une façon de se dire, bon, bah, Altaria peut au moins vaincre des adversaires. Et si on combine au studio d'entraînement, on fait 300 en deux attaques. Et si on le combine avec la, pardon, avec le bandeau, bah ça fait 180, donc 360. Bon, là, on dépasse carrément. Voilà, bah écoutez, le mieux, c'est d'aller voir. Hein, j'ai mis 5 énergies de chaque, c'est d'aller voir en game ce que ça vaut, ce deck. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti pour la première game. Ouais, excusez-moi, il a manqué un petit passage de la partie. C'est normal. Il y a eu un petit souci de technique. Mais voilà, la partie a commencé. Donc, je sais pas contre quoi je suis. Bon, ok, Dracaufeuex. Ok, ok. Bah, juste pour vous dire, voilà, j'ai que des petits soucis, des petits problèmes qui arrivent là. Donc, on va faire avec. Let's go. Bon, Dracaufeuex, c'est un des pires match-up qu'on puisse avoir parce que nos dégâts sont vraiment faibles et donc on profitera pas de enfin on est obligé d'avoir le gros truc là, l'outil pour nous aider parce que là c'est plié là sinon. Donc on repart là-dessus, ouais, Quenchia. Donc c'est Tipar, hein, on va faire que nos torts, bandeau de défi, c'est peut-être pas le meilleur moment. Ouah, mais là c'est horrible là. Là c'est pas ouf, hein. Bon c'est pas grave, on va rester. Je peux attaquer? Ouais, vas-y, on va attaquer, on s'en fout. Ça me coûte rien d'attaquer. On fait une petite attaque, c'est pile, ça fait 0, c'est pas grave. C'est dommage, parce que si ça se trouve, c'est les 30 dégâts qui vont changer la game. Non, je pense pas, hein. Sur un Jirachi, ça va pas changer grand-chose. Ah, ça c'est dommage, ça. Je vais perdre une énergie ou qui sera sous le deck. Il va falloir remélanger. J'avais une hyperbole, surtout. Ouais, d'accord, donc ouais, c'est vraiment pénible. Là, il faut que je me dépêche de choper de la bolle qui pourrait me servir. Il faut que j'aille chercher le Castorno et que j'arrive à poser un Altaria mais qu'il soit pas sur le poste actif parce que si je perds mon Altaria, derrière je peux pas profiter du bandeau, du coup on va faire comme ça. Celui-là on va lui mettre ça. Au prochain tour j'ai l'énergie à cible, de toute façon je peux pas le faire évoluer donc ça sert à rien de le mettre. Que nos torches, je peux mettre un deuxième, ça sert à rien, je viens de faire une grave erreur. Parce que là maintenant comment je vais chercher mon Altaria là? Oh, je suis un débile, on va faire multi-exp. Et hyperbole. Hein. Oh, je suis obligé de gâcher un multi-exp. Ah, je suis un abruti. Ah, oh, je suis bête. Bon, au moins, on va remélanger notre deck. Faut voir les choses du bon côté.
Là, je fais ça. Je garde ma main parce qu'elle est pas mal. Et on essaie de choper bah, autre chose, hein, du Altaria peut-être. Non, pas du tout. Pas de Altaria. Studio et bandeau de défi. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Hein. Attendez, je calcule. 170 et 150, on est sur du 320. Ah non. Ce qui veut dire que s'il me met KO mon Altaria en un coup... Non, il pourra pas, c'est Dracaufeu. Jirachi, je le pose pas. Ça servira à rien dans ce match-up. Je pourrais le défausser. Bah vas-y, on finit là-dessus. Ouais. J'ai pas attaqué. Ah mince, j'ai pas attaqué. Bon, c'est... Ouais, pour 30 dégâts, de toute façon, si je refais pile... Bon, c'est pas très grave. Ça peut être pénible, hein, par contre. Mais, bah... Ouais, bah c'est ma faute. J'aurais dû attaquer. C'est pas grave. C'est comme ça, ça arrive. Niveau bol, qu'est-ce qu'il va nous chercher, là, le petit? Ah, Reptincelle, hein. Pas de bonbons. Étonnant, ça. Pas de bonbons, tiens. Gant justicier, mais... Ah, il a mis ça, c'est pour faire quoi? C'est pour taper les Pokémon... Ah, ouais. Ok, c'est pour éliminer, peut-être, Rugilune facilement, je pense. Donc, nous, on va pas utiliser l'urne, parce que ça nous mettrait très, très mal. Attendez, qu'est-ce que je peux faire avec cette urne? Sinon, je vais chercher rien, hein. Ouais, je fais... Ouais, mais à quoi ça sert? Pourquoi j'ai claqué l'urne, là? Bon, laissez tomber. Par précaution, je vais partir du principe que je peux attaquer sur le poste actif. Donc, je vais faire comme ça. Regardez, on va mettre le studio. On va faire bandeau de défi sur celui-là. La cache nichée et on repart sur une nouvelle main. Méga can. Qu'est-ce qu'on a perdu comme poké? Bon, c'est pas très grave. Allez, incisive. Voilà, on a du pepper, on a plein de trucs. Donc, pepper, on va prendre ça et ça. Ensuite, Hyper Ball. Je vais défausser un échange et le niveau ball. Et je prends mon gros Altaria. Voilà, il est là. Et on va lui casser la gueule. C'est parti! À l'attaque! Vibre mineuse! Regardez-moi ça, là, si c'est pas trop mignon comme attaque. Altarien, qui est un de mes Pokémon préférés, clairement, c'est... Il doit être dans le top 10, au moins. Facile. Alors, on pourrait se dire que ça fait beaucoup, top 10, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est à une époque où on a plus de 1100 Pokémon, un truc comme ça. Donc, enfin, 1050, peut-être, un truc comme ça. En tout cas, on en a beaucoup, quoi. Donc, voilà, c'est pas si étonnant, quoi, sur la totalité. Le stade en ruine! Ah oui, c'est pour ça qu'il s'est réduit. Putain, je me disais, c'est bizarre. Et mon stade, il s'enlève, ça réduit, et ensuite, il y a le stade qui arrive. L'effet, il a pris effet avant, lol. L'effet avant effet. C'est rigolo, ça. Ah si, c'est rigolo! On va faire de notre mieux. Ouh, attention, ça sort le roux carnage, là. Derrière, il va me foutre le Dracaufeu, je pense. Ça va attaquer, là, ça taper dans le... C'est... Ouais, ça rigole pas, hein. Alors, faut pas oublier qu'il a recherche rapide qui lui permet de récupérer n'importe quelle carte dans son deck une fois par tour. Donc, très très bonne carte, hein, en Carnage X. Et là, derrière, il fout le Dracaufeu qui se recharge tout seul. Donc, ouais, ça va faire mal. Le problème du deck Dracaufeu, c'est dès que je vais gagner un peu la game, il va one-shot tout, en fait. C'est ça qui est gênant avec Dracaufeu, c'est pénible. Donc là, il me fait 210, quand même, hein. Effectivement, j'ai pas trop aimé, hein. On va faire ça, on va mettre le Altaria, et puis cache nichée, hein, de toute façon, il faut que j'aille chercher une autre carte. Qu'est-ce qu'on a là? Échange. Ah bah parfait, j'aurais pas à défausser au moins, regardez. Voilà, ça c'est bon ça. Machine, je vais surtout pas le faire, par contre je vais faire mon échange. Avec grand plaisir, regardez. Écho magique. Paf, prends 210. J'ai soigné mon Altaria, parfait. Alors dites-vous que ce deck n'a pas pour vocation de gagner des parties. J'ai vraiment fait ce deck Altaria parce que j'adore Altaria, que je voulais faire un deck avec plein d'Altaria. Dommage, c'est pas un attaquant quoi en fait. Pour être utile, il faudrait jouer sur le talent de mon Altaria ou utiliser par exemple l'Altaria avec Écho Magique ou l'Appel Tentant. Enfin en fait, il faudrait l'utiliser en soutien selon le Altaria qu'on utilise, selon le deck que c'est quoi. Ça fait beaucoup de selon, hein, mais voilà un peu le truc quoi. Donc là, il vient de me détruire mon moteur de pioche. Ça, c'est pénible. Ça, c'est pénible. Si je récupère deux cartes récompenses, il gagne 60 dégâts, donc 270, il fait. Il faut que je chope le bracelet pour tanker avec mon Altaria X. Sinon, je tankerai pas le prochain coup de Dracaufeu. Niveau bol, tilton. On va charger un nouveau Altaria sur le banc. Et... Ouais, machine. Bon, ça lui redonne une carte. Mais il faut que je chope quelque chose, là. Il faut que je chope le bracelet, en fait. Mais il est où, ce bracelet? Je l'ai détruit. Ah, il est là, non, je l'ai détruit. Ben, rip. 120 PV, lui reste. Quencha, on va chercher un autre tilton, hein. On va se préparer, allez. Voilà, on va enlever son effet, aussi, d'ailleurs. Manaphy. Ah, et plus tilton. Ah non, j'ai avec 3. Le quatrième, il est dans les récompenses. Bah, il va falloir espérer le choper parce que sinon, on est mal. Hein. Allez, on met KO le Dracaufeu. Vibrumineuse. Let's gong. Voilà.
Bon, on avance dans la partie, je sais pas si à la longue on va vraiment réussir à faire quoi que ce soit. Mais néanmoins, là on n'est pas si mal, on peut encore s'en tirer, donc ouais. Recherche rapide, donc là je pense qu'il va essayer de chercher un autre drac au feu. Problème c'est qu'il va me mettre KO en un coup, et toute ma stratégie repose sur le fait que Altaria puisse quand même tanker certains coups. Le problème c'est qu'on peut pas avoir 50 bandeaux rigides et 250 bandeaux de défi. Parce que bah au bout d'un moment on a plus de place quoi, il faut aussi que le deck puisse fonctionner. Et comme j'utilise ce Altaria là, bah ma seule attaque c'est 90 ou je soigne un poké et je déplace. Donc ouais, il n'y a pas 150 solutions quoi, il faut tanker. Et le problème de Dracofeu c'est que lui il a des dégâts qui augmentent trop vite en fait. Là il fait 270 déjà, parce que j'ai 3 cartes récompenses. Il gagne 90, 180 plus 90, je meurs. Je die. Problème d'Altaria, ouais, c'est que j'ai que 260 et j'ai perdu mon seul bandeau. J'ai fait une erreur. Après, voilà, hein, c'est comme ça. Ah, il a fait évoluer sur l'autre. J'espère qu'il a assez d'énergie, sinon c'est dommage. Ouais, bon, ok. Je dis c'est dommage. Ça aurait été bien pour nous, mais c'est de... Bah là, aïe. Aïe, 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 ça fait mal, là. Là, on peut plus... Je pense qu'on a perdu la partie, parce que là, on peut plus le tuer, en fait, le dragon. Ouais, mais là c'est cuit, là. Et en plus, il me faut une énergie métal, là. Ouais, mais là je sais pas comment je vais faire. Bon, attrape riposte. Les gars, c'est pas pratique, là. Sinon, on fait un attrape riposte et je fais 90 sur l'autre. Et je tue le petit reptincelle. Mais Dracofeu, c'est cuit, hein, pour l'éliminer. Après, il y a Roucarnage, mais il a 0 de retraite. Donc ça veut dire que je dois horde du boss et riposte au même tour. Enfin, au deuxième tour ou au tour d'après, quoi. Et là, ah, mais je peux pas le faire de façon attrape riposte. Je panique pour gagner du temps. Alors attendez, j'ai Rongourmand. Mais Rongourmand, c'est une très mauvaise idée. Machine, pas super idée. Altaria, glissement, ça fait 60. Ah, je vais pas attaquer avec ça, hein. Je me mets ultra mal, hein. Et sinon, on peut détruire la main et partir sur recherche, hein. Tant pis pour les Altariens, hein. Au pire, j'ai... Voilà, la canne. Ah, parfait. C'est bon. Canne. Donc, on régénère. Toi. Non, ça sert à rien. C'est trop tard, là. Un tilton. Les d'énergie, ça m'a l'air de le faire. Bah, en fait, on va régénérer ça, hein. Bon, du coup, j'ai perdu Quenchia. Ça, c'est dommage. Mais je vais faire ça. Je peux utiliser une bol pour aller chercher ça. Voilà. Bon, je vais me faire OS, hein, ça c'est sûr. Ah, c'est pénible. Parce que du coup, regardez, je peux pas mettre... Ah, bon, tant pis, on prend le grand. On prend le gros Altaria et puis c'est tout. Pi, 150. Eh oui, je suis pas en train de perdre. Du coup, je lui ai mis le bandeau, mais ça sert à rien. Je fais pas 180, du coup. Ah, bon, on fait 150. Allez, on fait 150, c'est toujours ça de prix. Aïe, 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 aïe. Bon, on va y arriver, mais... ouais, partie difficile, hein. Pas facile, il se défend bien en face. On a un adversaire coriace. En même temps, Dracofeu, 330 PV. Altaria, c'est pas la meilleure des idées, hein. C'est compliqué. Oh là 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 là, il va nous casser la gueule, hein. Là, il va chercher... Ah, il a plus d'énergie, je pense. Il en a 4 en jeu. Et là, il est à 7 énergie. En général, tu joues 9. Ouais, vous voyez, le problème, c'est que là, maintenant, je me fais one-shot tout le temps, en fait. Ouais, c'est perdu, là. Mais on a perdu. Bien joué, adversaire. Ouais, bon, voilà. Juste pour le fun, on va lui faire une dernière attaque à 130. Voilà. Dommage, 180. Et il a trop de vie, Dracofeux. C'est un peu... C'est trop compliqué. Ça aurait été le Roucarnage, on l'aurait tué. On aurait au moins fini à une énergie. Enfin, une récompense. Mais voilà. Bah, écoutez, on a fait une belle partie. Après, c'est compliqué, hein, contre Dracofeux. C'est un peu complexe, ouais. Parce qu'en fait, on a pris le lead un peu tôt, et du coup, maintenant, on faisait moins de dégâts avec Altaria. Bien joué! Du coup, on se retrouve pour la deuxième partie. Allez, c'est parti! Pour la deuxième partie, donc, ouais, oula, pièce garde-voix. Bon, ça représente pas forcément le deck adverse, mais bon, sait-on jamais. Donc, si on tombe sur du garde-voix Rex, est-ce que c'est bien pour nous? Non, parce qu'on va prendre des dégâts trop vite. Ça fait trop de dégâts, ouais, ça fait trop de dégâts, c'est pas une super idée. Ouais. Après, il s'affaiblit un peu, le deck. Mais je pense que, ouais, il y a moyen que ce soit garde-voir. Hein. À cause de la pièce, de la sleeve et tout, j'ai pas eu le temps de voir la pochette du deck. Parce que j'étais concentré sur le record. On va voir. On commence pas en plus, c'est le pire, je crois. À chaque fois, je me souviens pas de qui commence, c'est horrible, parce que du coup, c'est important quand même pour placer ses pokés. Ah, c'est nous! C'est nous. On a vu le feu qui venait vers nous.
Alors c'est vraiment nul par contre comme départ, parce qu'on a pas d'énergie, on a deux Altaria et une recherche. C'est pas ouf là. Là c'est vraiment pas ouf. Bon, on va voir comment qu'on fait pour le tour suivant. Ça dépendra de ce qu'on pioche. Mais j'aurais bien voulu attacher l'énergie dès le premier tour. Parce que si l'autre il m'attaque là direct, ouais, y a moyen que ce soit Gardevoir. Hein. Ah ouais, je vois de l'énergie psy, à mon avis, c'est du Gardevoir ça. Niveau bol, voilà. Et ouais, en Finobi Mew, le Jirachi aussi. Ça, c'est une compo. Compo dangereuse. Je sais pas ce que ça va donner du tout. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sais pas. On pourra tuer les Poké néanmoins, parce qu'ils ont pas énormément de vie. L'avantage, c'est ça, l'avantage de Gardevoir X. C'est que ça utilise quand même beaucoup de petits. Le problème, c'est que nous, on n'a pas non plus beaucoup de vie, donc on meurt vite aussi. À voir ce qu'on peut faire. Voir ce qu'on peut faire, ça peut être sympa. Ah, ça se setup là, hein. Ça se setup bien. 7 cartes dans la main, il reste quand même, hein, je rappelle. Bah déjà, on va mettre le grand Altaria. Et avant de tout perdre, on va faire ça. Voilà, et là on fait la recherche. On perd deux Altaria, mais c'est le meilleur truc, je pense, qu'il fallait faire. Voilà, bon, on a une énergie. On a le Kenotor, on a le Manaphy. Je protège parce qu'il y aura Hurlequeux. Et puis, bah, de toute façon, on peut pas attaquer. Donc, le tour se termine là. Il va falloir qu'on se mette en position, qu'on chope un peu plus de Tilton. On a perdu un Hex et un Altaria classique, hein, quand même. Donc, faire attention à ça, s'en souvenir. Ça veut dire qu'il me reste un Altaria X potentiellement dans le deck et un Altaria classique. Donc une petite méga canne sera nécessaire d'ici quelques temps. Évidemment, j'aimerais ne pas crever super tôt, si possible. Là, je vois que ça met du Kirlia, donc peut-être que ça va piocher, ça va se mettre en place. Donc l'avantage, c'est sinon on peut commencer à attaquer un peu tôt. On peut commencer à débarrasser un peu le board. Ce serait pas mal. Ouais, faut veiller là-dessus. Ça défausse du pass. Ouais, là, ça se voit que c'est du Gardevoir en face. Hein, parce que regardez-moi cette main. Là, à chaque fois qu'on joue contre Gardevoir, c'est ça, de toute façon. Vas-y, que ça te fait la grosse main. D'ailleurs, ce Kirlia, il va Ah non, il va partir à F. Ok, je regardais la rotation, mais... Lui à E. Effectivement, c'est important quand même, parce que ça va modifier les decks. Hein. Quand la rotation F sera faite, il n'y aura plus aucune carte de épée bouclier hein, comme extension. Donc je pense d'ici encore un an, il n'y aura plus de V après, ça disparaîtra. Hein. Donc là, ouais, ça attache. Ah, il va peut-être battre en retraite. Ah non, il prévoit pour battre en retraite. Ou alors pour que je l'aille... Dans tous les cas, en fait, ça lui remplira sa défausse d'énergie, donc c'est ce qu'il veut. Le studio, il est placé. Le Roy, on va devoir s'en séparer pour le moment. Hein. Je vais aller chercher du Tilton. Tiens, on va regarder ce qu'on a. Donc Tilton, déjà, je veux ça. Ok, on a plus de Altaria blanc, donc incolore. Ça, c'est dommage, parce que j'aurais voulu m'en servir. On va faire Tilton, bandeau de défi. Ouais, on va le remettre sous le deck, le bandeau. On va le remettre sous le deck. Qu'est-ce qu'on pioche? Hyperbole. Pas super, ça. Oh, heureusement que j'ai eu une énergie assis. Hein. Oh, j'aurais pu tellement... Vous voyez, on peut plus attacher d'objets ensuite. C'est ça qui est dommage. Pardon. Hyperbole, j'en ai plus après, là. Il m'en restera qu'une seule. Je vais chercher mon autre Tilton. Faudrait que je me setup au maximum. Voilà, bien mettre le Tilton. Je mets un bandeau rigide, de toute façon on s'en fout, sur lui, voilà. J'ai plus de cartes dans la main, mais j'ai toujours mon Castor d'eau, donc faut juste pas qu'il me le one-shot au prochain tour. Vibrumineuse. On met KO, on récupère un peu de cartes récompenses. Qu'est-ce qu'on a? Hyperbole, bah c'est nul. Alors là, ouais, là il peut vraiment faire un truc violent, c'est... S'il peut attaquer à ce tour, je pense que sa priorité, ça devrait être attrape, riposte, et il me tue le Castor d'eau. C'est la meilleure strat à faire pour lui. Parce que je me suis mis en danger en mettant le Tilton. Mais en même temps, c'est un pari que j'étais... Oh, Saturnin, vas-y, t'es sérieux, là? Bon, j'enlève Manaphy. Je veux garder mes Tiltons, en fait. Oh, Saturnin, c'est d'une violence. Ça part quand, cette carte? Prochaine rotation, il n'y a plus de Saturnin. Après, c'est pas une mauvaise carte, Saturnin, je trouve que j'aime bien la carte en soi. C'est juste que quand tu te la prends, peut-être t'as mal, quoi, tu chiales un peu. Sachant que j'ai quand même besoin d'un peu de setup aussi, donc... En fait, ça détruit vraiment bien les decks qui ont besoin de setup, quoi. C'est-à-dire la plupart des decks d'aujourd'hui, quoi. Vraiment, on est dans la période X qui a besoin justement de setup, vu qu'on joue beaucoup de poké qui évoluent, etc. Là où dans les V, on s'en foutait hein, complètement, c'était... Tu mets ton V... Tu mets deux poké de soutien, tu remets un autre V, voilà, t'as 4 poké maxi et ça suffit quoi. Tu peux jouer avec. Là je vois qu'il y a quand même tous les Tarsals ont été posés, il y a les deux Gardevoir. Est-ce qu'il peut me mettre KO? Je pense pas.
5. Ah si, là il me met KO là. Ah bah rip. Rip. Et ouais, parce que j'ai mis KO l'autre, du coup il a fait la reversal. Enfin la, l'énergie aversion là. Donc ouais non, je suis mort. Je suis dead. Ça dead ça comme on dit. Allez, ciao Bambino. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Ça fut un régal. Voilà. Il lui reste 60 PV. Mais non, mais le problème de Altaria, c'est qu'il a pas assez de vie. Et ouais, dès que je me tape un poké qui tape fort, bah il meurt en un coup en fait. C'est trop nul. Allez, incisive travailleuse. Ouais, mais là, c'est déjà foutu d'avance. Ouais, Quan Chia, vas-y, on va essayer de choper des trucs. Mais là, le problème, c'est que j'ai plus rien, moi. Remets un tilton, mais ouais, j'ai... Je vais mettre à lui. Au pire, comme ça, il envoie mon... Attendez, hyperbole, méga canne. Méga canne, c'est obligatoire, faut le faire tout de suite. Voilà. Je récupère quand même mes Altaria, parce que... J'en ai que deux. Rangourmand. Bah, tant pis pour Rangourmand et Manaphy, mais je peux pas tout avoir. Pepper. Qu'est-ce qu'on se récupère avec Pepper? Attendez, on peut récupérer l'urne. Non, l'urne, c'est pas si ouf. Quoique, l'urne, c'est pas bête. Le bandeau de défi, pourquoi pas. Regardez, je vais défausser. Hyperbole ou bandeau? Bandeau, on s'en fout, on en a plein. En fait, il me faut des énergies d'autres types. Donc là, au pire, il mélange ma main, ça m'arrange, tu vois. Hyperbole, je veux pas la claquer tout de suite, ça te sert à rien. Je vais perdre un poké de toute façon. Là, il a que... Théoriquement, il a 4 énergies attachées, là. Parce que l'autre, elles sont incolores et donc elles augmentent pas ses dégâts. Ouais, je vais pas mettre mon Altaria maintenant, c'est pour qu'il prenne des dégâts dans le vide. En fait, au pire, il me le met KO et je peux attaquer au prochain tour, quoi. Allez, vas-y, on fait ça, je peux rien faire, de toute façon. Ah, j'aurais dû faire attaque surprise, je l'ai pas fait. J'en ai marre, j'attaque jamais avec les petits pokés. Oh, quelle erreur. Il faut attaquer. C'est toujours 30 dégâts qui peuvent faire la différence, surtout sur Gardevoir. Parce que 30 dégâts, ça veut dire qu'il passe à 110 et qu'il peut attacher plus qu'une seule énergie à son Gardevoir. Donc, ouais. Horde du boss. Ah, non, il a fait ça. Ah, il fallait bien qu'à un moment, il le fasse, hein, de toute façon. Là, il fait 180, je crois. Ouais, je crois qu'il fait 180, donc... Allez, il a 12 cartes en main, moi j'en ai 3, quoi. Ah, mais non, mais je peux pas tout avoir. J'aurais bien pris le Altaria qui fait les supporters, là. Mais... Ouais, 15 cartes... 75 cartes, vas-y, rajoute encore. Il avait claqué des bonbons. Il a 5 cartes dans son deck. Est-ce qu'on pourrait gagner comme ça? Regardez, en temporisant, en mettant justement pas de Hex. Et non, mais est-ce que je vais mourir à chaque fois en un coup? Quoique... Ah oui, mais du coup, en me tuant mon Castorneux, il a pas activé mon... Ah, mais il fait combien de damage, là? Attendez, on peut tanker... Comme ça. Là, je vais chercher Quan Chia, un autre truc. Il n'y a plus rien dans le deck. Ah, ici, c'est le ton, je l'ai recyclé, c'est vrai. Et là, bah, j'ai pas 150 choix, hein, c'est... Bah, je vais prendre lui, mais c'est vraiment la pire idée, parce que j'ai plus rien derrière. Hein. Là, je suis vide. Donc, je vais vraiment me battre, excuser, c'est-à-dire, bah, ça. Au moins, il a 290 PV, mon Altaria, déjà. Ça me permettrait de tanker un peu. Et d'ici que je rattrape son énergie inversion... En fait, j'aimerais qu'il se vide le deck, et qu'il perde au deck. Mais ça, c'est... Bon, c'est autre chose. Combien d'énergie j'ai perdu? 4, donc 2 de chaque. Ouais, faire attention. Faire attention à ça, quand même. Méga canne, qu'est-ce qu'il va nous recycler? Ah non, du coup, il récupère 3 cartes. Ah, pour vider le deck, ça va être compliqué, là. Est-ce qu'il... Allez, on va dire que mon adversaire a très très envie d'aller chercher dans son deck. Oh non, il en le queue, pitié. Oh non. Oh non, je suis sûr il est capable de me le tuer, là. 9 énergie. Ah bah, je suis... Ah non. Ah, il va battre en retraite en premier. Il va battre en retraite. Est-ce qu'il a la cape? Ah, je pense qu'il a la cape luxueuse. Du coup, rip Altaria. Je pourrais pas gagner au deck. Ah, c'est dommage. Ah, c'est difficile, hein. En même temps, je tombe contre Dracaufeu et juste derrière contre Gardevoir. Les match-up les pires, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de vie en plus, donc... Et il tape trop fort, ça, le problème. Il tape trop fort pour moi. Ce Gardevoir, il est en E, hein. Prochaine rotation, il n'existera plus dans le deck Gardevoir. Je sais pas ce qui... Je sais pas comment il va se modifier, ce deck, mais à mon avis, ce sera plus du tout le même. Parce qu'ils perdront quand même l'attaquant principal. Après, il y a Hurlequeux, hein, remarque, qui est quand même extrêmement bien. Hein. Mais je sais pas si le deck fonctionnerait qu'avec Hurlequeux, quoi. Pourquoi il lui en met que 2? Il veut tuer mon banc? Il veut tuer juste mon banc? Il attend que je le rattrape en récompense? Ah bah non, il veut pas tuer le banc, il veut tuer mon Altaria X direct. Voilà, je suis mort, parce que bah, il va monter jusqu'à 180 dégâts, donc 360. Je suis dead. Là, ça sert à rien. Bon, on va juste attendre que l'animation se termine. Bah c'est très très lent. Aïe, mais c'est génial. Oh non, mais c'est pas vrai. Pff, on se fait pulvériser, quoi. Bah là c'est perdu, hein.
Aïe aïe aïe, c'est une défaite niveau Paul. Qu'est-ce que je peux prendre ça? Bon, je vais pas perdre du temps pour rien, ça sert à rien. On va faire, allez, Chantantant, Roy, vas-y, je mets au-dessus. Voilà, Altaria là, et puis c'est fini, tour terminé. Bon bah GG, notre adversaire a win. Voilà, c'est plus vite. Oh ben dommage. En fait, si vous voulez, les decks contre lesquels j'étais tombé, ils étaient plus tenables la première fois que j'ai lancé les games. Sauf que comme il m'est arrivé deux trucs en même temps, au passage, bah forcément, du coup, c'est pas passé. Vous avez vu l'animation qu'elle a faite, là? Son personnage? Ça, c'est un bug, parce que normalement, cette animation n'existe que quand on commence une partie. Et j'ai remarqué que ce bug était présent depuis quelques temps. Voilà, je vous le dis, c'est un petit trivia. Allez. Eh bien, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo, les loulous. Donc, normalement, ça, c'est la vidéo de la semaine de Noël. Donc, le 26, quelque chose comme ça, ça va sortir. Donc, joyeuses fêtes. Passez de bonnes fêtes de Noël, de Nouvel An. De toute façon, on se retrouve l'année prochaine, les loulous. Je sais pas si le premier mercredi du mois, vous aurez une vidéo, malheureusement. Peut-être un live, qui sait. Je pense que ce sera peut-être un live, parce que ce sera injouable, sinon, de tourner à l'avance. En tout cas, pensez à vous abonner si c'est pas fait, à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt, et je vous dis salut !